Vous savez, les zones artistiques temporaires ont été installées dans la ville il y a plusieurs années maintenant. Lorsque je fus en charge de la culture, je modifiais un certain nombre de choses. Puisque je vous rappelle que les trois premières ZAT avaient eu lieu à Antigone, à Méric et à Port-Marianne. C'est-à-dire dans les beaux quartiers, dans les quartiers résidentiels, le long du Lez, vous voyez. Donc quand je suis arrivé, j'ai demandé à ce que trois choses soient modifiées. La première des choses, c'est que nous essayons d'installer les ZAT dans tous les quartiers de la ville. Deuxième point, qu'il y ait 50% d'artistes locaux, globalement, qui soient présents sur la programmation des ZAT. Et troisième point, que cette programmation soit tout public et qu'elle soit très populaire. Alors, ça a été fait dans les ZAT suivantes. Et la première qui a inauguré le nouveau système de fonctionnement, ou le nouveau fonctionnement, c'est la ZAT de Sainte-Neuve, que nous avons fait coïncider avec l'ouverture de la ligne de tram. Ensuite, nous avons réalisé une magnifique ZAT, celle de la Mosson, qui pourtant a été combattue. Il faut qu'on se souvienne collectivement des choses. Moi, j'ai rien oublié. Hein. Combattue par certains artistes de ce jour. Pas qui sont là aujourd'hui, mais de la ville. Qui ont même essayé de mettre le feu à la Mosson par des articles dramatiques dans Midi Libre trois jours avant la ZAT. J'ai pas oublié. Alors maintenant, ils peuvent me faire des salamalecs. Moi, j'ai pas oublié. Ça ne veut pas dire que je ne leur pardonne pas. Ça veut dire que d'abord, je veux qu'ils s'excusent auprès des Montpellierains. Parce que s'il y avait eu des incidents, ils en auraient été responsables. Et la Mosson s'est bien passée. 50 000 personnes à la Mosson. Et près de 60 000 à Sainte-Neuve. Et la Mosson a attiré tous les quartiers de Montpellier parce que les habitants du quartier ont dit, écoutez, nous ici, c'est Montpellier. Comme ils le disent autour de stade et comme tous les Montpelliérains me disent. Moi, je ne suis pas pour la vision d'une ville éclatée. Je suis pour une ville unifiée. Partant de là, 50% des artistes ont été injectés dans la programmation et 50% d'entre eux sont originaires, Montpellier, l'agglomération, la région, mais disons le Grand Montpellier. Les mêmes mesures ont été respectées pour toutes les actes dont j'ai eu la charge et elles le seront encore pour celles qui arrivent. Lorsque j'ai proposé de décrire avec vous les grandes orientations de la culture sur la ville et la métropole, je me suis attaché à quatre thématiques principales. La danse, parce que ça fait partie de l'histoire de la culture montpelliéraine, et puis Montpellier Danse est un festival international, j'ai eu l'occasion de le dire de façon très précise à la dernière conférence de presse. Et puis la danse, c'est mondial, c'est un phénomène planétaire. Ça peut être le Bolshoï, et puis ça peut être les danses africaines, les danses d'Amérique du Sud. C'est un dialogue avec l'espace, avec le rythme. Donc pour moi, la danse, elle est consubstantielle des pays de la Méditerranée. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Paul Montanari de conduire les travaux de la ZAT d'aujourd'hui, celle des Grisettes, qui est un nouveau quartier. Ensuite, après la ZAT et après la danse, il y a l'art contemporain. Parce que Montpellier a besoin de renouveau. Et il faut être dans le move. Il faut être sur la wave. Il faut être ouvert sur le monde qui nous entoure.
Et l'art contemporain, c'est un regard jeté sur le monde, en mouvement. Je disais hier à ceux qui me parlaient d'art classique et de sculpture et d'architecture classique, mais lorsque les sculpteurs qui ont sculpté le Panthéon à Athènes l'ont fait, c'était pas du classique, c'était du contemporain pour eux. Faut toujours avoir ce regard-là, décalé. Sinon on devient vite poussiéreux et ringard. C'est pas ce que je souhaite pour la culture à Montpellier. Le troisième axe, c'est le patrimoine. Parce que l'art et l'histoire, ce sont des territoires qui méritent d'être ponctués par toute une série de manifestations qui relèvent notre patrimoine, qui est magnifique et qui est inconnu à l'échelon international. Ça va de pair avec le développement économique, le tourisme. Et puis le quatrième axe, c'est le cinéma, parce qu'on a beaucoup de choses à apporter après la région PACA, avec la nouvelle région qui vient de s'ouvrir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, et notamment le spectacle, les arts du spectacle vivant, et la ZAT en fait partie, ce sont des pans de la culture montpelliéraine qui devront être intégrés dans la réflexion générale sur la grande région, avec des complémentarités possibles, avec des discussions possibles, avec la métropole de Toulouse, mais aussi avec tout le territoire. Donc c'est une ZAT de transition, parce qu'après elle sera peut-être intégrée dans un corpus général d'axes culturels qui seront à développer, et j'ai tenu à ce que la danse soit prioritaire. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Jean-Paul Montaneri d'avoir accepté d'être le chef d'orchestre de cette ZAT et de remercier tous les artistes qui ont participé très activement à ce nouveau type de ZAT qui vient de s'ouvrir et qui, j'en suis sûr et persuadé, aura un écho aussi populaire que les 8 éditions précédentes. Les ZAT, comme vous le savez, est devenu l'un des événements majeurs à Montpellier, mais pas seulement. C'est un des festivals des arts de la rue qui est un des festivals majeurs en France, presque au même titre qu'Aurillac ou d'autres. Donc c'est un événement de Montpellier qui a su se créer une notoriété nationale. L'objectif des ZAT, il est double. D'abord, c'est de faire découvrir la ville, de faire découvrir son quartier. Ici, aujourd'hui, les Grisettes, donc on a une partie urbaine à travers le quartier des Ramblas. Puis, on a aussi une zone paysagère avec l'Agriparc du Masson-Boulier. Donc, on permet aux gens de venir et de découvrir ce nouveau quartier que tout le monde ne connaît pas, mais on permet aussi aux habitants de montrer leur quartier à travers pas mal de projets participatifs, comme des projets de photos de personnes qui se mettent à danser, des balades pédagogiques pour moi de présenter la biodiversité du Vagliparc, des balles pour les enfants, des kids balls avec des chasses aux œufs, où on filme les habitants. Donc le premier objectif, c'est de découvrir la ville, mais pas uniquement, c'est aussi de découvrir la danse. La danse sous toutes ses formes. Montpellier, on l'a déjà dit, Philippe Torel l'a déjà dit, c'est Montpellier est une capitale de la danse, notamment de la danse contemporaine, et ce depuis plus de 30 ans. Mais on va regarder la danse peut-être sous de nouvelles formes, on va regarder les liens avec un lieu, avec les arts de la photo, avec des vidéos, avec des nouvelles technologies, et c'est ça qui est intéressant. En fait, on peut résumer cette ZAT de la manière suivante. Une fois de plus, c'est présenter une culture de qualité pour tous et par tous. Reconnue, parce que j'ai déjà expliqué, les ZAT sont reconnues en France et à Montpellier, elles bénéficient d'un succès populaire. On a 60 000 personnes par manifestation environ, et aujourd'hui ce sont 100 événements qui seront présentés pour cette ZAT, c'est-à-dire plus que d'habitude, et une vingtaine de compagnies qui seront présentes. Pour tous, parce qu'on va présenter différents styles de danse pour toutes les générations, c'est gratuit et donc c'est accessible à tous. Et c'est accessible à tous également parce qu'on peut y accéder par tram. Voilà. Et par tous, je vous ai expliqué, puisque les habitants sont impliqués, mais pas uniquement les habitants, les associations, les structures de quartier et de nombreux projets participatifs.
Donc en ce qui concerne l'organisation, la direction artistique, c'est un secret pour personne, a été confiée à Jean-Paul Montanari, et je le remercie. Les conseils artistiques sont au nombre de deux. On a l'association Kerwan. Kerwan, c'est une association de Marseille qui vise à développer ou à présenter les arts de la rue et du cirque dans des projets territoriaux. Et le deuxième conseil artistique est l'association Atlin qui vise à présenter des projets de création dans l'espace public. C'est une association qui vient de Villeneuve-des-Maglones et qui est soutenue par la DRAC, par la région Languedoc-Roussillon, par le département et évidemment par la ville de Maglone, de Villeneuve-des-Maglones. Voilà, la direction artistique est assurée par Illusion et Macadam. Illusion et Macadam qui vient de clore avec Vincent Cavaroc le festival Tropisme à la Panacée, un festival qui a connu un énorme succès puisque nous avons accueilli 25 000 personnes lors de ce festival. Voilà, on est aussi assisté dans la conception du site internet par le Hub et par la création graphique par la voie publique. En ce qui concerne l'organisation, toujours, le festival commencera donc ce dimanche à 11h, pas dans le quartier des Grisettes, mais sur la place de la Comédie, et continuera en fait dans le quartier des Grisettes jusqu'à 23h30 le dimanche soir et le lundi de 11h à 20h. Pour venir, il y aura un tarif spécial pour le tram, c'est-à-dire à 2 euros l'aller-retour. Et on retrouvera aussi pendant ce week-end toute une zone de pique-nique dans le parc du Masnouguier, près de l'école, où des associations vont pouvoir proposer des boissons et des encarts. Vous ne poserez pas la question de « et s'il pleut ?» Eh bien, s'il pleut, nous verrons. Et s'il pleut, il y a des choses qui auront lieu, des choses qui n'auront pas lieu, on attendra que ça s'arrête. Voilà, donc voilà une question évacuée tout de suite. Et deux, je me suis surtout vécu comme chef d'équipe, plus que réellement directeur artistique. Même si, effectivement, j'ai choisi les artistes qui sont dans cette opération, dans cette ZAD. Mais organiser une ZAD, c'est bien au-delà de simplement la présence des artistes. C'est justement un point de rencontre entre des activités artistiques et culturelles et une topologie de quartier. Parce que finalement, l'équipe technique aura eu presque plus d'importance que, pas plus, mais largement autant que les artistes, parce que le fait qu'on implante une scène ici, là-bas ou là-bas, que ça nécessite tel matériel plutôt que tel autre, etc., fait que la technique prenait une place extrêmement importante, et la réussite de la ZAD, c'est aussi, évidemment, la réussite technique de la ZAD. Les artistes sont certes importants, mais ça aussi, c'est important. Et puis je me suis vécu comme chef d'équipe parce qu'il faut dire que l'équipe municipale est absolument formidable. elles sont au fond là-bas, les Camille Aubin, les Laure Bouty et autres, qui connaissent bien les 8 numéros de la ZAD et qui ont été absolument essentiels pour guider quelquefois nos délires ou nos mauvaises connaissances, parce que c'est pas... je le dis quelque part dans l'éditorial, ça m'est pas très naturel de fabriquer ce genre d'événement, même si je m'étais essayé à 2-3 reprises à des choses, mais essentiellement sur la place de la Comédie ou sur les quais de la gare SNCF, ou enfin dans différents endroits, mais pas avec cette intensité, c'est-à-dire 48 heures sans arrêt, avec des spectacles absolument partout. Et des événements partout, des choses qui durent 4 minutes et demie, et puis des choses qui durent beaucoup plus longtemps, etc. etc. Donc voilà, dans la salle, il y a quelques artistes, et on va parler, si vous voulez bien, des choix artistiques. En fait, la première idée que j'ai eue avant tout, et c'est Cathy Bexies qui est au troisième rang là, qui la porte, au milieu de la danse, cette petite danse de 4 minutes et demie, chorégraphiée par Andy de Groot au milieu des années 70. Andy de Groot, vous le connaissez un peu pour ceux qui s'intéressent à la danse. En tous les cas, c'est celui qui, quand Echtam on the Beach a été créé à l'origine à Avignon, c'est celui qui avait fabriqué des danses qui étaient entre chaque acte qu'on appelait des knee plays, qui ont disparu dans la version que vous avez vue au Corum il y a quelques mois, mais qui est toujours un chorégraphe vivant, qui est un chorégraphe américain, qui vient à Montauban, si ma mémoire est bonne, voilà. Et cette petite danse de 4 minutes et demie a été sans arrêt jouée comme une espèce d'allégorie ou de métaphore de la danse contemporaine française.
sous influence américaine, ce qu'elle a été extrêmement longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'a été pendant longtemps, et merci à tous les artistes américains qui nous ont appris plein de choses sur l'espace, sur l'énergie, sur le mouvement, sur... merci, on a appris beaucoup d'eux. Voilà, et Ascapi avec cette danse qui dure assez peu de temps, et Cathy Bézieux peut-être, si elle avait un micro, pourrait nous en parler, c'est que c'est dansable par toutes sortes de groupes, des enfants, des grands, des étudiants, et justement c'est une danse qui mêle tout le monde. Dis-nous un mot des gens qui vont danser cette danse. Si vous connaissez Michael Galasso, c'est lui notamment qui a fait la musique de In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Voilà, donc c'est une danse qui a été déclinée par des tonnes de gens, comme dit Jean-Paul, des artistes étoiles de l'Opéra de Paris, autant que des danseurs amateurs, autant c'est une danse qui fait appel à énormément d'écoute entre les gens, une notion très spatiale. C'est assez compliqué, c'est très mathématique, c'est la base et la marche. Bah, vous verrez quand vous la regarderez. Ah oui. Donc cette danse-là, sur ce projet-là, j'ai d'abord transmis une première année aux élèves du conservatoire de Montpellier. Ils étaient 16 à l'origine, entre 10 et 14 ans. Voilà, il en reste 5 que vous verrez là, dans cette ZAT-là, plus 5 autres du conservatoire. Ensuite, je l'ai transmise l'année d'après à un groupe d'amateurs adultes à Lyon, dans un cadre du dispositif amateur et répertoire du CND. Et eux, ils sont 10. Et après, mon envie, c'était d'en faire une danse énorme, parce que d'avoir plein de gens qui soient multigénérationnels, danseurs amateurs, danseurs professionnels. Donc c'est pour cette version, vous aurez 40 amateurs, dont les enfants, les gens de Lyon, qui eux font aussi la chasse aux œufs, et vous aurez 6 professionnels de Montpellier. Donc elle va être déclinée sur 3 musiques différentes, la musique originale, une musique des années 80, et une fanfare roumaine. Donc il y aura 3 endroits. La première, donc ça va être sur la place de la Comédie. Ensuite, il va y en avoir une version à 6 des 6 professionnels sur les Ramblas. Et une grande version sur les Pastels, là-haut, où il y aura tout le groupe. Et une version où il y aura 2 groupes, un groupe le dimanche, un groupe le lundi, pour faire danser tous les amateurs sur la fanfare, qui sera devant le Masnoulier. Voilà, donc c'est un vrai petit bijou. Il s'éclate complètement à l'apprendre, malgré que ce soit très complexe. Et voilà. Et des éventails, parce que vous avez vu la photo, ils ont des éventails japonais, qui sont en blancs, à la main. Les éventails des hommes du théâtre No. Quand on parle, on pense rue, on pense danse urbaine, évidemment. Donc il nous paraissait évidemment tout à fait normal de demander à Hamid El-Kabous, qui est juste devant moi là, voilà, Hamid El-Kabous danseur de hip-hop, s'il en est, et pratiquant régulièrement la rue avec ses collègues, parce que je crois bien le voir régulièrement sur la place de la Comédie, devant la fontaine, l'été, danser aussi, pas seulement dans les salles officielles de Montpellier Danse, mais aussi dans la rue pour les gens qui passent. Et il m'a proposé plusieurs projets, on en a retenu quelques-uns, on en a retenu 2,5, toute la ZAD va être composée comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses formelles, chorégraphiées, organisées, et puis des choses plus ouvertes qui ressemblent à des balles, qui ressemblent à l'envie de faire danser les gens avec soi-même. Enfin, je pense que vous passerez un petit moment à lire le programme, parce que je ne vais pas vous parler de chaque groupe, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'interventions. Donc on va profiter que les artistes soient là. Hamid, peut-être tu nous dis deux mots des 2 ou 3 choses que tu vas faire dans cette ZAT-là. D'abord la première, qui est une manière d'accueillir les gens à la descente du tramway, là, à l'arrêt Sabine de la ligne 2. Oui, le premier module, en fait, c'est j'ai nommé Hop Rock comme la danse rocking qui est née dans les années 70, en fait, par des gangsters en fait, new-yorkais. Et cette danse, en fait, ce qui est bien dans cette danse, c'est que c'est une sorte de compétition, mais un partage en même temps. Et le fait de mettre ça, en fait, je vais essayer en fait, de faire une sorte de déambulation en fait, à partir de l'arrêt tram Sabine, et ramener en fait, le public en fait, avec nous, danser et intégrer en fait, notre chorégraphie, parce que Dans cette danse, en fait, il y a 2 bases en fait, à prendre compte. C'est le bronze et le jerk.
Et c'est de base, en fait, nous, j'ai rajouté, en fait, un jeu qu'on connaît tous, c'est le Shifumi. Comme ça, les gens, en fait, ils s'amusent, enfin, exactement. Comme ça, les gens, ils s'amusent avec nous et on avance tous, en fait, dans le quartier des Grisettes, jusqu'au bout, en fait, de la ronde-là. Et après, le deuxième module, c'est Steelway. Steelway, c'est une sorte de défilé de danse, plutôt de... Voilà. Et dans ce module-là, il y a six danseurs en fait, de la compagnie, plus des stagiaires de Cirque Balthazar et des stagiaires, ou plutôt des patients en fait, de l'hôpital psychiatrique Saint-Martin-du-Niboule, qui partagent avec nous en fait, ce moment en fait, de défilé. Après, il y a le troisième module qui est, j'ai nommé Take It, par rapport à l'improvisation jazz. Et dans ce module-là, il y a 2h45 en fait, de spectacle. Et c'est une sorte d'improvisation de musiciens à la fois et de danseurs, en fait, et en intégrant le public en fait, de jouer avec nous. Et le fait de donner des couleurs ou raconter des histoires en fait, sur les musiques que les musiciens jouent. Et pareil, en fait, de l'autre côté, genre les danseurs qui bougent, voilà, pour raconter autre chose sur les musiques. Après, il y a le petit module démonstration avec tous les styles de danse hip-hop. Il y a le popping, il y a le locking, il y a la house dance, il y a le break, ça. Ouais, c'est tous les styles de danse hip-hop, voilà. Ben oui, très bien, parfait. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'en même temps, c'était, comme je suis et comme vous le voyez souvent à Montpellier Danse, c'était mêler à la fois les danses savantes, parce que alors, pour une danse savante, la danse des éventails est terriblement une danse savante, avec des contes, enfin, etc., et les danses populaires, c'est-à-dire les expressions populaires de la danse, et mélanger les deux à travers des balles, et mêlant aussi danseurs professionnels et amateurs, et public, parce que le public, c'est des amateurs en puissance, tout le monde veut danser, ou presque. Voilà. Donc, si on continue dans la même... Donc, vous aurez des démonstrations sans arrêt de danse un peu partout, comme le bebop, par exemple, en dehors du crump et du hip-hop, etc. On verra aussi, puisqu'à Montpellier, il y a des champions du monde de bebop, ce que peu de gens savent, des jeunes gens et des jeunes filles qui sont des champions. Bon, c'est vrai que souvent c'est des danses un peu périphériques par rapport à nos préoccupations, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas. Et c'est bien de les voir réintroduits là-dedans. On pourrait faire encore une autre ZAT avec les danses du monde entier, par exemple, des danses du sud de l'Inde, des danses africaines. Ça aurait été encore une autre ZAT, parce qu'il y a de la matière dans la danse pour faire des choses. Par contre, je voudrais bien, parce que j'ai toujours un peu de problème avec à comprendre ce projet-là. C'est évidemment Vincent Cavaro qui vient de triompher avec son tropisme à la panacée et qu'on a à sa proposition 25 000 entrées. Voilà, donnons-lui un micro et Vincent Cavaro va nous expliquer qu'est-ce que c'est que Satellite. Bon, mon idée c'était de créer une zone de convivialité éphémère, même si la ZAT, ça pourrait être son sous-titre finalement. Et on va se retrouver dans une cour d'école, et l'idée de l'investir avec un dispositif très convivial. On propose aux gens plusieurs types d'expériences, regarder des films, mais aussi prendre un cours de danse, mais aussi amener leurs enfants. On est dans une cour d'école, donc les enfants auront une grande place dans cette histoire. Et penser à voilà, une zone de respiration dans la ZAT, qui va être très dense, très touffue, où on va pouvoir y aller, manger, faire un plateau pique-nique, assister à une émission de radio, assister à un cours de danse, assister à des projections. Et la particularité, c'est que tout ce qu'on va montrer est filmé en multicaméra, en direct, et streamé sur une plateforme. Et ça crée déjà un événement en présentiel et en web. Donc les gens qui peuvent pas aller à la ZAT pourront le regarder en direct. Ça crée une archive aussi. Donc voilà, ça permettra de revenir sur ces programmes plusieurs fois. Et plusieurs partenaires vont m'accompagner, notamment L'œil de Lynx, qui est une émission sur Canal+, qui défriche les cultures du web, et où on va faire un grand battle de Lynx sur les questions de la danse. Donc, voir toutes les images un peu intéressantes de ces 5 dernières années autour de la danse, qui ne sont pas les grandes images de la danse telles qu'on peut l'imaginer dans un festival comme Montpellier Danse. Là, on passe par
la publicité, par le web, par tout ce qui montre d'autres façons de présenter la danse. J'ai envie de faire danser les gens. Alors, c'est pas moi qui vais Nicoler, je vais convier des gens. Et ça, je t'avais pas dit, mais peut-être on va twerker, peut-être un petit peu. Ouais, on va faire des choses un petit peu comme ça. Vas-y, fais ce que tu as fait. Et des booms pour les enfants. Ben oui. Il faut faire des booms, il faut faire des booms. Il y aura le pendant kickball, donc avec le band moderne pour les enfants. Et là, un côté un peu plus ludique. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est un joyeux bordel, il y a plusieurs horaires de passage et vous viendrez manger, boire, discuter, regarder des films, vous lover dans des transats et apprendre à danser. Il y a une très belle chose qui est au plan visuel qui va être très spectaculaire, c'est ce qui s'appelle Loutube. C'est-à-dire que c'est un gros tube d'eau qui doit faire 2 mètres de diamètre, quelque chose comme ça, peut-être plus, et avec des danseurs qui sont à l'intérieur, dans l'eau, qui sont en apnée et qui dansent pendant 20 minutes, et puis, enfin pas 20 minutes, c'est un peu moins, 20 minutes c'est un peu long pour faire de l'apnée, donc oui, c'est ça. Donc, ouais. Et ce sera installé tout à fait en haut, et donc il y aura une version jour, mais surtout il y aura une version nuit, puisqu'il y a une soirée qui dure longtemps, entre le dimanche et le lundi, et tout ça sera éclairé de l'intérieur, et donc je suis sûr que vous allez faire beaucoup d'images. Dans le genre aussi spectaculaire à voir, les danseurs de la compagnie 981 qui feront la danse verticale sur le mur de la résidence étudiante, par exemple, au pied de laquelle, d'ailleurs, il y a une scène. Mais plein d'autres choses, je ne vais pas vous infliger tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, si vous ouvrez votre programme page 16, vous allez découvrir les premières photos de Grégoire Korganov, qui est un photographe parisien très connu, qui a travaillé pour Libération, qui a été un journaliste de reportage, et qui travaille aujourd'hui de plus en plus sur des questions sociales. Il était très présent au festival l'année dernière, puisqu'il a photographié près de 200 danseurs qui dansaient dans le cadre de Montpellier Danse. Et puis les photos étaient agrandies immédiatement et installées partout dans les couloirs et dans le cloître de l'Agora. Elles y sont toujours, si vous voulez venir les voir d'ailleurs, elles sont toujours là et c'est toujours aussi magnifique. L'idée étant de prendre les danseurs au moment où ils sortent de scène et où ils ont encore dans le regard quelque chose d'étrange. Et c'est plutôt réussi. Et c'est Grégoire qui m'a proposé cette idée qu'il avait depuis longtemps, qui est empruntée d'ailleurs à un certain nombre de photographes africains, qui est d'installer un studio et de demander aux gens de venir se faire photographier avec leur musique et leur costume. Ce qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire près de 200 Montpellierains, et surtout des habitants du quartier, dans un local par là, sont venus avec leur musique, leur costume, et c'est ça les premières photos. Donc la page 16-17, c'est tout frais, c'est des Montpellierains qui sont venus se faire prendre en photo, photos que nous allons voir un peu partout dans ce quartier, qui vont être montrées et qui associent évidemment les habitants du quartier à cette manifestation avec une espèce de preuve. La danse est quelque chose de follement éphémère, que vous savez, ça passe puis ça disparaît tout de suite, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup. Mais c'est intéressant de garder des traces avec les habitants du quartier, et c'est une opération auquel moi je tiens beaucoup, qui est un vrai lien avec la population. C'est-à-dire, les gens du quartier à la fois peuvent danser, mais ils peuvent aussi laisser une trace d'eux-mêmes dans cette manifestation. Et ils sont déjà en photo dans le programme avant que ça commence, ce qui est évidemment assez touchant et assez troublant. On ne serait pas tout à fait complet si on ne parlait pas des projections de films qui vont être faites sur les murs un peu partout. Donc il y a des films, il y a des images, il y a aussi des endroits où on verra des films, puisque par exemple Christian Rizzo, le nouveau directeur du Centre chorégraphique, sera présent dans cette édition à travers un film de lui qui va être présenté dans un des lieux. On pourrait aller beaucoup plus loin dans ce domaine, mais enfin bon, vous verrez des choses contre les murs, des petits films de Philippe de Coufflet ou de William Forsythe, ou vous verrez un film sur le Trump que moi j'aime beaucoup, qui est un film sur les quartiers américains et tout ça. Donc voilà, peut-être que en lisant et le dossier de presse et le programme, vous en saurez un peu plus.
Et puis, au contraire d'un festival, une ZAD, ça se vit. C'est-à-dire que on a beau vous expliquer ce que ça va être, venez donc, descendez du tram, ne venez pas en voiture, descendez du tram et venez vivre avec tout la ZAD. C'est le seul moyen que j'ai de vous convaincre que tout ça va être un moment formidable. Donc, on pourra boire, manger des confiseries, puisque la totalité du quartier est sous la question des grisettes, qui sont... à la fois des confiseries, comme vous savez, mais aussi des dames qui faisaient de la couture, et peut-être pas tout à fait que de la couture, enfin, etc. Donc, et la plupart des rues ici s'appellent rue du Réglisse, enfin, c'est vraiment rigolo comme endroit, c'est marrant. C'est un des rares quartiers de Montpellier avec une espèce de logique des rues comme ça, et avec des noms qui inspirent plutôt la gourmandise que le respect artistique, mais c'est bien aussi. Ah oui, je souhaiterais profiter de l'espace de parole qui m'est donné pour remercier les services de la culture de la ville de Montpellier, Jean-Paul Der, Camille Aubin, Laure Bouty et Rachel Philippon, et puis tous ceux de la culture qui travaillent. Donc merci du boulot, parce que c'est un vrai travail. Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, Cédric également, mais c'est un vrai travail, et j'ai eu l'occasion de les éprouver lors de vos passages à la culture. Donc, je les retrouve aujourd'hui et je les remercie pour la continuité de ce travail-là, qui est un travail subtil. On restera ensuite sur le même type de manifestation, oui. Un week-end, un quartier Oui, absolument. Tous les quartiers de la ville doivent être irrigués, ou le théâtre de nouvelles Altes. Pas seulement les quartiers résidentiels, tous les quartiers de la ville, y compris les quartiers populaires. Les prochains sont déjà choisis ou Contrairement à ce que dit Pascal dans la page, Monsieur Pascal dans la page région de Midi Libre ce matin, lorsqu'entre certains politiques et les citoyens il n'y a rien, c'est parce que certains politiques n'ont pas peur du peuple, contrairement à d'autres. La ZAT, une fois par an, elle aura lieu toujours à la même période, au printemps? Oui, je pense que le printemps est une belle période. Nous avons choisi une date qui était en dehors des épisodes électoraux pour ne pas rajouter des pressions supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être lors d'une manifestation de ce type. Donc on l'a positionné après les échéances électorales. Jean-Paul, tu parlais de la topologie. C'est quoi les contraintes particulières de faire ça ici, dans ce quartier connu? C'est vrai, et puis, mais en même temps, les atouts éventuels de Grisette, on n'a pas l'air, a priori, c'est pas évident aussi. C'est un quartier qui est comme il est, donc il y a des histoires d'arrivée électrique, il y a des histoires d'arrivée internet, il y a Cavaroc est très gourmand de ce genre de choses, et puis il y a le quartier tel qu'il est, c'est-à-dire cette espèce de boulevard, il y a les contraintes de sécurité. Comment imaginer ce que tu vois là en ce moment avec 20 000 personnes d'un coup? C'était ça le travail. Donc ça voulait dire que les équipes techniques nous quittaient en disant, eux qui avaient l'expérience des précédentes dates, en disant « Ah, la première scène, quand on a fait 4 ou 5 fois la visite du quartier avant de stabiliser les zones, mais telle scène ne pouvait être posée que là, c'est-à-dire par exemple au pied de la résidence étudiante. Telle autre scène ne pouvait être posée que devant le mât qui est pas tout à fait en ruine, mais enfin qui est, voilà, donc là. Et puis le tube, on pouvait ne le poser que là, et puis etc, etc. Et puis après, il y a eu des contraintes financières, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de rêver, il y a des comptes, et que les comptes, quand ils dépassent, eh ben, il n'y a pas d'autre solution. Il faut couper en bas ou en haut, vous coupez où vous voulez, mais en fait, il faut couper. Donc ça veut dire qu'on va plutôt dans tel endroit qui a déjà une infrastructure, comme l'école par exemple, où il y a déjà des choses, il y a l'arrivée électrique, plutôt que d'aller chercher l'électricité on ne sait où, au milieu d'un champ, pour amener l'électricité dans le champ. Ou, voilà, donc on a dû, mais ça c'est normal, ça c'est la vie habituelle des organisations. Korganov voulait mettre, il avait raison, des grands portraits au milieu des vignes. Bon, on y a renoncé au moment, parce que le portrait pièce, ça coûtait ce que ça coûtait, et quand vous multipliez par 20, et ben ça rentrait pas. Donc on coupe et on dit, ben on fait moins, on aménage, on fait comme ça, on fait comme ci. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu d'interdiction
Moi, c'est les grues qui m'ont fait rêver dès que je suis arrivé. La première fois que je suis venu ici, c'était les grues qui me fascinaient, parce qu'il y en avait absolument partout, et que j'avais rêvé de choses qui se passeraient. Mais bon, évidemment, c'était un rêve qui est à peu près irréalisable pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coût, etc. Donc on a les grues, non. Voilà. Mais voilà, mais c'est pas... C'est donc très différent de l'organisation d'un festival. Dans un festival, vous avez des théâtres déjà installés et dans lequel vous essayez de mettre les bonnes œuvres, je veux dire les bonnes pièces à cet endroit-là, plutôt que dans un autre, parce que ça convient mieux. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un peu, c'est le quartier qui a donné le... On pouvait pas mettre des scènes n'importe où, donc c'est le quartier qui a déterminé, en fait, la topologie du spectacle. Et après, il fallait mettre plutôt ce travail-là, plutôt là, et ce travail-là, plutôt là, et celui-là, plutôt là, selon les fiches techniques qui nous arrivaient. Voilà, mais il n'y a pas eu de... Il y a eu, comme d'habitude, de fortes négociations les uns contre les autres, ou les uns avec les autres, comme toujours dans ce genre d'histoire, parce qu'il y avait les équipes artistiques avec leurs fiches techniques, les responsables techniques avec leur budget, moi avec ma vision des choses, donc on a fait beaucoup de réunions, on a beaucoup travaillé, puis ça finit par sortir, voilà, le programme est prêt. On n'a pas déterminé la moche quartier. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'en faire... un qui est à la périphérie et puis alterner avec un qui soit plus près du centre. Après à Bosson, je vous rappelle, nous avons fait boutonner Beaux-Arts. Donc un sur un quartier de périphérique et puis un sur le quartier de Faubourg. On va essayer de garder ce rythme, que tous les quartiers soient irrigués par la ZAD. Avez-vous d'autres questions ? Le fil conducteur de la prochaine ZAD, c'est quel thème après la danse ? On ne l'a pas choisi encore. Ouais. C'est toujours la danse ? On ne l'a pas choisi encore. Comment vous faites pour calculer la fréquentation ? Parce que vous avez dit, Cédric, vous avez dit 60 000, 20 000. Comment ? C'est gratuit, il n'y a pas de ticket, évidemment. Bon, comment on fait pour calculer les fréquentations de telle manifestation ? Pour la ZAD de Celle-d'Oeuvre, nous avions... l'utilisation des rames de tram qui était facile à utiliser, donc on savait combien il y avait de personnes dans les rames. Et on sait à peu près combien ça drait de personnes sans le tramway, c'est-à-dire de gens qui habitent pas loin, de façon récurrente, c'est-à-dire 10 000 à peu près. Et après le reste, ce sont des gens qui viennent avec le tram. Sur les arceaux, on a dépassé la jauge. Parce que le problème que nous avons rencontré dans les ZAD, c'est que les jauges des spectacles étaient trop faibles. Et donc, elles s'adressaient à 150 personnes maximum chaque fois. Alors que là, sur des champs ouverts, comme c'est le cas pour les grisettes, il y a beaucoup plus de spectateurs qu'on peut réunir sur le même événement. Et puis le mail des grisettes, la grande avenue, le boulevard central, est tout à fait propice à une déambulation ludique. Les grisettes, dans l'histoire de Montpellier, ce sont les ouvrières de la mode. Mais dans d'autres villes, ce sont des filles qui sont plutôt légères. Voilà. Comme à Lille, par exemple. N'y voyez aucune comparaison, n'y voyez aucune toute ressemblance avec une personne connue et purement fortuite. Mais, le terme de grisette n'a pas la même valeur dans toutes les villes. Ici, ce sont les ouvrières de la mode parce qu'elles portent traditionnellement un habit qui est de couleur grise et faite d'une toile qu'on appelle le griset. Et cette toile est ceinte par une chaîne portant le dé et le ciseau. C'est le costume traditionnel de Montpellier du 19e siècle. Il y a des historiens qui ont travaillé sur ce sujet des grisettes de Montpellier. Oui. Oui, Guiron. Et moi, j'ai travaillé dessus. Je ne suis pas historien. Je suis historien maintenant, mais j'ai travaillé sur les grisettes, j'ai travaillé sur les femmes de Montpellier. Une partie du travail que j'ai fait sera proposée à l'historienne qui est chargée du dossier de Marie de Montpellier à Hélène Mandrou dans la future histoire renouvelée de Montpellier, Madame Kirch-Léger, puisqu'elle m'a demandé d'intégrer mon travail dans sa composition,
sur les grisettes, sur l'aspect populaire du costume des femmes, mais aussi sur les jeunes femmes de Montpellier qui ont toujours été réputées pour être les plus belles de France. Et puis également sur les origines de la solidarité à Montpellier, l'œuvre de la Miséricorde, qui au départ, en 1622, est une œuvre religieuse de femmes, qui a pour but de donner aux indigents le gîte, le couvert et les vêtements nécessaires à se protéger du froid, notamment. Et c'est l'œuvre de la Miséricorde qui a donné plus tard le Centre communal d'action sociale, dans lequel il fut installé à côté du musée Fabre, rue Montpelliéret, jusque dans les années 2000, où je l'ai transféré, en face de la mairie actuelle. Et là, c'était des femmes aussi. Cette histoire-là, faut vraiment rentrer dans les documents pour la connaître. Et quand j'étais aux archives départementales, j'ai fait dépouiller les archives de l'hôpital et de la Miséricorde qui sont aujourd'hui répertoriées aux archives départementales de l'Hérault à Pierre-Vif. C'est pour ça que je le sais. À propos des bâtiments, quel est l'avenir des bâtiments du Mazdouguier ? Le Mazdouguier a été acquis par les compagnons de Maguelone. Voilà, pour le restaurer, et nous donnerons quelques directives pour que le Mazdouguier reste bien intégré dans l'agri-parc, et notamment que l'allée de pain soit parfaitement conservée et classée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je répète ce que j'ai déjà dit. Le festival hybride et la chapelle, leurs subventions, elles sont gelées. Nous n'avons pas encore voté le budget. On leur a attribué une partie de la subvention. Mais l'autre partie est à titre conservatoire dans le budget de la ville. Elle est prévue pour eux. Alors, si le conseil général, la région et l'État ne leur donnent plus rien, c'est pas de ma faute. Et au lieu de défiler sous mes fenêtres, je leur conseille d'aller défiler devant le conseil général, le conseil régional et l'État et la DRAC. Voilà, c'est tout simple. Nous, de notre côté, on a fait notre boulot. Et nous le reprocher n'est pas une revendication culturelle, c'est une revendication politique. Oui, pour les autres. Enfin, nous, Montpellier, on n'est pas concernés. Nous, ça faut, tout roule. Il y a Hybride et La Chapelle. Hein, c'est les deux qui ont... parce qu'on a donné une partie de la subvention, parce qu'on attend de voir ce que donnent les autres. Je ne voudrais pas me retrouver en étant le seul à devoir payer pour d'autres partenaires qui ne payent pas. Je suis fou. Je peux paraître fou, mais je ne suis pas naïf. Donc tout le reprocher tient de la politique, pas de la culture. Et moi je ne fais pas de politique avec les acteurs culturels. Je garde avec moi ce qui tient de la route, ce qui fonctionne pour les gens, pour les Montpelliérains. Parce que je continue à travailler avec certains qui n'ont pas fait ma campagne et qui n'étaient pas avec nous. Et alors ? Pas se le jeter à la figure pendant 5-7 ans. Bon. Mais à condition que les choses soient claires, des deux côtés. Ma question, c'était pour les autres structures culturelles et les baisses à venir, et les choix qui vont. Les baisses, c'est 5%, je l'ai dit, sur toutes les subventions, 5%. Les seules que nous n'avons pas touchées, c'est l'éducation et le social. C'est ville ou métropole ou les deux ? Les deux. Parce qu'on n'augmente pas les impôts. Le taux d'imposition reste pour la métropole à 0%. Et je remercie Midi Libre qui a indiqué que pour la métropole, les impôts n'augmentaient pas et restaient à 0%. Et je les remercie par avance d'indiquer que les impôts de la ville n'augmentent pas non plus et qu'ils restent à 0%, les taux.
parce que les bases de l'imposition à la ville, c'est l'État, elle augmente de 0,9. Mais nous, on n'y est pour rien. Nous, on continue avec 0%, c'est la promesse que nous avons faite aux Montpelliérains. Puisqu'on vient de parler politique, on peut vous demander un commentaire sur ce qui vient de se passer à Béziers le week-end dernier, la décision de Robert Ménard de jouer de la nostalgie. Écoutez, Robert Ménard, il est maire de Béziers. Moi, sur le fond, je ne suis pas d'accord à ce qu'il a fait. Mais je me garderai bien de porter un jugement sur son action en tant que maire, parce qu'il a été élu légalement par les Biterrois. Et moi, je me refuse à porter un jugement sur l'action de notre maire envers sa ville. Ça s'appellerait de l'ingérence. Moi, j'apprécie pas quand un maire, d'ailleurs, vient faire des commentaires dans la presse sur ma façon d'organiser la gouvernance de Montpellier. Donc, Ménard, il fait ce qu'il veut. C'est au Biterrois de juger. Voilà, après. Non, mais pour être plus précis, est-ce qu'on a vraiment du mal à regarder cette période de l'histoire de France avec nos yeux ? Mais oui, vous savez bien. C'est vrai que cette période était délicate. Et vous savez, quand j'ai arrêté le musée de la France en Algérie, il n'y a que le comité scientifique, via Mediapart, qui a envoyé quelques scuds via Internet. Mais les Montpelliérains m'ont dit, vous avez très bien fait. Je n'ai eu aucun commentaire désagréable sur le fait d'arrêter le musée de la France en Algérie. Donc moi, je sais ce qu'il faut faire, politiquement. Mais sur la politique elle-même de Béziers, je ne porte pas de jugement sur la politique d'un maire avec sa ville. Ça serait de l'ingérence. Après, sur le fond, je ne suis pas d'accord. Le musée qu'avait voulu Georges Frêche est extrêmement différent du musée auquel on était parvenu aujourd'hui. Parce que le musée dont il était question, c'était le musée de la France et de l'Algérie. Au début, c'était le musée de la présence française en Algérie. Donc, on était passé. Et pourquoi ? Parce que les acteurs eux-mêmes de la programmation n'avaient pas du tout envie de réveiller un certain nombre de démons du passé et de perturber la paix sociale, ce que je peux comprendre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut attendre 100 ans ? On n'a pas le courage des Américains par rapport à ça, qui n'ont pas attendu pour juger et parler de la guerre du Vietnam ? Ça veut dire que la France est un vieux pays, avec ses traditions, avec sa culture, avec ses institutions, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Pourquoi Podemos et Syriza, ça ne marche pas en France ? Vous pouvez me l'expliquer ? Bah, puisque le contexte n'est pas du tout le même, économiquement parlant. On a encore des garde-fous qui ont explosé depuis longtemps en Grèce et un petit peu en Espagne. Il pourrait y avoir une recrudescence de mélanchonisme. Ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, on est sur une ancienne culture. On est vraiment un vieux pays de tradition, très républicain, avec un socle républicain, qui fonctionne encore. Alors pourquoi on est l'extrême droite ? Alors, l'extrême droite, c'est autre chose. L'extrême droite, c'est lorsqu'on ne fait plus de politique. Lorsqu'on ne fait plus de politique, eh bien, on laisse le champ libre à des théories extrêmes. C'est pour ça que nous, on fait de la politique. Et on est au contact des gens, on n'a pas peur d'aller, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur d'être en contact avec les citoyens et d'être en proximité avec eux. Vous n'attendez pas les résultats avec angoisse, pardon, dimanche soir. Avec quoi ? Avec crainte, angoisse, dimanche soir. Sur la question du FN, Sur la question du FN ? Mais moi, tous les jours, quand je me lève, je bosse pour les gens et c'est la meilleure façon pour moi de combattre le FN. C'est pas de sauter sur sa chaise en disant « On est contre le FN, on est contre le FN » en faisant des manifestations. C'est complètement idiot. Moi, quand dans ma liste, je mets des blagues, des blancs, des beurs, des tailles et tous les visages du monde. Je fais de la politique planétaire. Je donne à Montpellier une image du 21e siècle.
je combats l'obscurantisme. Et j'ai pas besoin de le dire. Voilà, je le fais, je le dis pas. Je fais pas des manifestations pour dire je suis contre l'FM. D'ailleurs, à la métropole, il n'y a qu'un seul groupe politique formé, celui du FN. Après, tous les républicains sont ensemble, quelle que soit la couleur politique. Et je n'ai pas de groupe politique UMP, pas de groupe politique PS, pas de groupe politique vert. J'ai qu'un grand groupe républicain, une grande majorité, et puis, en dehors, le FN. La fin programmée des ZAT, c'est toujours pour 2020. Non. La fin programmée des ZAT, c'est toujours pour 2020. Il n'y a rien qui soit programmé. C'était envisagé, la fin. Oui, mais ça, c'était l'ancienne majorité. Parce qu'il y avait un contrat qui avait été passé avec M. Lebrun-Cordier. Mais là, il n'y a plus M. Lebrun-Cordier. Donc ça veut dire que ça fait au-delà. Mais oui, bien sûr. C'est une manifestation qui a une attractivité populaire intense. Il n'y a pas de raison de ne pas la conserver. Est-ce que le fait de faire qu'une seule ZAT par an, ça veut dire qu'éventuellement, ça pourrait amener plus de budget par ZAT? Vous savez, on essaie d'être raisonnable. Hein. L'argent public est rare. J'ai promis aux Montpellierains de ne pas augmenter les impôts. Donc on reste dans les enveloppes budgétaires qui sont prévues. Et comme a dit Jean-Paul, on fait mieux avec moins. C'est-à-dire que là où il faut couper un peu, on coupe un peu, et ça n'empêche pas qu'on a un spectacle de super qualité, parce que les artistes sont de qualité et que tout le monde a envie de se battre pour Montpellier. Le voisin toulousain est curieux de cette salle ou... Oui, les voisins toulousains sont curieux de tout. Est-ce qu'ils viendront ou est-ce qu'ils vont venir? Vous savez, j'ai demandé à Max Limita d'être monsieur Toulouse à l'intérieur de la métropole de Montpellier et Jean-Luc Boudin a nommé un de ses vice-présidents pour être monsieur Montpellier à l'intérieur de Toulouse métropole. Donc lors de ces rencontres, l'ensemble des sujets sont balayés sur toutes les disciplines pour mettre en relation les deux, culturellement, les deux institutions dont les ZAT en font partie. Donc faut s'attendre à des décisions prochaines de fusion éventuellement, de partenariat entre Montpellier et Toulouse, sur la culture par exemple? Oui, il peut y avoir des partenariats avec Toulouse hein, ou des complémentarités à trouver, c'est pas exclu. Mais vous savez, la première chose qui me paraît utile avec Toulouse, c'est d'arriver à créer une façon de se rapprocher en termes de transport qui soit rapide. Aujourd'hui, moi je vous parle en tant que fils d'essayateur, je vous parle, ce que je vous dis c'est du bon sens. Parce que sinon on va parler de Toulouse comme on en parle aujourd'hui. C'est loin Toulouse, à 2h30 en voiture. Si on n'a pas un moyen de transport qui nous mette Toulouse à 1h15. Ben oui. C'est-à-dire TGV, Montpellier, Narbonne, Toulouse. On sera toujours loin de Toulouse, même si nous faisons partie de la même région. Vous n'allez pas être vite tenté de fusionner les deux orchestres, vu les problèmes qui s'annoncent à nouveau, là? Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. L'orchestre de Montpellier, c'est un des fleurons de notre territoire. Mais voilà. Au niveau, sa gestion a besoin, à ce niveau, la gestion a besoin d'être revue et corrigée. On a un rapport du ministère de la Culture, on a un rapport de la Cour des comptes, on a deux audits, on a encore un contrôle de la Cour des comptes, qui est un chantier. Tous les documents sont unanimes pour dire que l'orchestre actuel n'est pas viable avec les subventions publiques qui lui sont dédiées. Il faut donc reprendre la gestion interne et la reconcevoir. Moi, je suis pour sauver l'orchestre de Montpellier, donc je demande à ce que cette gestion saine
soit mise en place.